Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. En ce matin encore, nous sommes réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges gardiens, avec tous les saints et les saintes du ciel. Et en ce matin, de là où tu es, je veux que tu dises avec moi, Jésus, mon miracle. Jésus, mon miracle. Emmanuel, mon miracle. Emmanuel, mon sauveur. Emmanuel, le Dieu qui ne change pas. Emmanuel, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Et en ce matin, cet Emmanuel-là vient te dire, je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui, et éternellement, je serai encore Dieu dans ta vie. Je ne change pas. Je ne change pas. Et en ce matin, cet Emmanuel encore vient te dire, à toi qui m'écoutes, à toi encore qui est dans cette, qui est cloisonné, qui est enfermé, qui est dans cette solitude-là, parce que rejeté du monde, rejeté de ta famille, toi encore qui dans ton cœur blessé, tu as encore de la colère, de l'amertume, de la tristesse, parce que tu manques d'amour, parce que tu manques de joie, de quiétude. Emmanuel vient te dire, je viens encore te guérir, je viens encore te toucher, parce que les temps des miracles ne sont pas passés, les temps des prodiges ne sont pas passés, les temps des signes ne sont pas passés. Mais cet Emmanuel aussi vient te dire en ce matin, ne me réduis pas à un simple Dieu de miracles et de prophéties. Car je suis plus que cela dans ta vie. Je suis plus que cela dans ta vie. Je suis l'ami fidèle dont tu as besoin. Je guéris ton cœur parce que je veux que tu restes dans ma maison. Je guéris ton âme parce que j'ai besoin que tu sois dans mon champ. Alors Emmanuel, passe encore dans les maisons. Emmanuel, passe encore dans les maisons et guéris les cœurs blessés. Passe encore dans nos foyers. Passe encore dans nos familles et guéris les cœurs, guéris les âmes. Emmanuel vient réconcilier les familles. Emmanuel vient réconcilier les époux. Emmanuel vient réconcilier les enfants, vient réconcilier les familles, vient réconcilier les communautés, vient réconcilier nos enfants, Emmanuel. Viens guérir nos communautés, nous te supplions, Emmanuel. Il guérit encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Les temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Les temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, les temps des miracles ne sont pas passés. Il vient guérir encore. Il vient soulager encore. Il vient réparer ton cœur meurtri. Il vient t'apporter cette consolation. Il vient t'apporter ce réconfort dont tu as besoin. Il vient t'apporter cette paix dont tu as besoin. Il vient te donner cette réconciliation avec ton mari, cette réconciliation avec ta femme, cette réconciliation avec tes enfants. À toi qui crois que rien de bon ne peut t'arriver, que tu ne peux plus enfanter, que tu ne peux plus recevoir, Emmanuel vient te dire en ce matin, crois tout simplement et tu verras ma main. Crois tout simplement et tu verras les prodiges que je vais accomplir dans ta vie, que je vais accomplir tout simplement dans les domaines de ta vie. Crois et tu verras. Si tu crois, tu verras, tu verras,
tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Et si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton enfant est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. De là où tu es, je veux tout simplement que tu fermes les yeux et que tu réalises ce que Dieu est en train de déposer en toi. Que tu réalises ce que Dieu est en train de mettre au fond de ton cœur en ce matin. Réalise le miracle dont tu as besoin et que Dieu vient déposer dans ta vie. Réalise cela en une fraction de seconde. Réalise cela, matérialise cela dans tes pensées et crois que ce miracle est là dans ta vie. Ce miracle est là. Moi, je le crois de là où je suis. Et je sais que Dieu, en ce matin, l'Emmanuel, dépose ce miracle dans ta vie. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Les temps des aujourd'hui éternellement, il soulage encore, encore, encore. Il soulage encore, encore, encore. Il soulage encore, encore, encore. Les temps des miracles n'est pas. Aujourd'hui éternellement. Et tu verras, crois et tu verras. Crois et tu verras la promesse de l'Emmanuel s'accomplir dans ta vie. Mais crois d'abord que l'Emmanuel est d'abord ton premier miracle. Crois d'abord que l'Emmanuel est ce premier-là qui se donne d'abord à toi, le meilleur des cadeaux, le premier des miracles qui vient se donner à toi en ce matin. Crois-le au fond de toi. Crois-le et confesse-le de ta bouche. Crois et confesse-le de ta bouche. Je crois parce que mon miracle est là. Je crois parce que l'Emmanuel se lève pour accomplir sa promesse dans ma vie. Je crois parce que l'Emmanuel se lève pour accomplir sa parole au sein de mon foyer, au sein de ma famille, de ma nation. Oui, je le crois et je le confesse. Et c'est dans cet élan-là que je te souhaite de passer une agréable journée dans la présence de notre Seigneur. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.